and tell me when it's time to. N'importe quelle personne de 6 à 70 ans peut justement se mettre à l'instrument, je trouve ça magnifique. Et en fait, le but c'est vraiment l'instrument, voilà, c'est se faire plaisir. J'adore retransmettre ce que je sais, enfin, je trouve ça super passionnant. Je dirais que chaque instrument a sa particularité. Bon, le piano, c'est vrai que ça demande pas mal de dextérité, surtout des mains, mais aussi pas mal de désynchronisation. On utilise le pied pour la pédale, on part directement avec les accords, une méthode, disons, américaine. Donc, système d'accords, disons, c'est aussi de l'accompagnement, en fait, aussi qu'on utilise au piano. Donc, ça permet directement de jouer avec l'instrument. J'ai une amie qui est au conservatoire et c'est assez compliqué. Elle n'a pas touché un instrument pendant 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et du coup, l'instrument qu'elle voulait apprendre, et moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas apprendre le solfège pour ne pas toucher l'instrument et puis pas en jouer, en fait. Et du coup, je pense que oui, la méthode est plus simple ici. J'essaye, parce que parfois, c'est un petit peu compliqué, mais une bonne demi-heure chaque jour c'est bon. Jonathan nous demande de faire des listes en chaque début d'année. Et du coup, oui, c'est un de mes choix, je crois. Je suis pas sûre. Peut-être pas. Mais il nous demande de faire des listes. Donc la plupart des chansons qu'on voit, c'est nous qui les avons demandées. Le rôle principal et primitif presque de la batterie, c'est de donner le tempo. On se lance tout de suite, quoi. Il faut vraiment pas, on réfléchit pas trop, on essaie pas trop. Les choses viennent après. En général, j'apprends quand même un peu de solfège, mais c'est toujours intégré dans la méthode. Il y a tous les profils. Il y a ceux qui veulent vraiment apprendre cet instrument parce que comme moi, ils sont passionnés et qui n'ont pas eu l'occasion encore d'essayer. Ou il y a ceux qui sont curieux justement. Qui ont envie de connaître un peu les sensations que ça fait d'être derrière une batterie, de jouer. Souvent, à 200 euros près, si on va dans un magasin de musique, on n'a que la batterie. Mais sur Internet, on peut avoir des batteries complètes. Pour jouer de la batterie, c'est plutôt du rock, effectivement, que je choisis. Quelques fois du jazz, mais souvent, soit je demande à Tony une musique que je veux faire, enfin voilà, soit il me propose quelque chose et je dis si oui ou non ça m'intéresse, et puis après on essaie de travailler dessus, il me donne la partition, etc. Si on veut bien apprendre en général, il faut faire justement le cours ici et faire une petite heure à la maison et tout. C'est pas le fait de savoir ce qu'on va jouer, c'est la coordination des mains et des pieds en fait. Parce que des fois on fait des choses qui sont décalées entre les deux et pas forcément ensemble. Ce qui fait que du coup, c'est plus compliqué souvent la coordination, c'est pas le rythme en lui-même. Et déjà, il faut trouver un groupe, ce qui est déjà compliqué, mais c'est vrai que des fois, quand je joue, je m'imagine des fois avoir des gens en face de moi, avoir des personnes qui jouent avec moi. Donc oui, j'aimerais bien avoir un groupe, etc., et aller plus loin. Ça. Été des énormes fans de musique et j'ai toujours baigné là-dedans.
Et donc j'ai commencé à apprendre en débutant comme tout le monde. La guitare c'est un peu plus dur, c'est un instrument où faut bien appuyer sur les cordes. Ici on apprend directement à jouer avec l'instrument. Dès le premier cours, on prend l'instrument, on voit nos accords, on enchaîne avec des morceaux tout de suite. Quand on va être en conservatoire, comme j'ai dit, on a passé bien 2-3 ans à apprendre tout le solfège avant de pouvoir toucher un instrument. Là, si c'est quelqu'un qui a juste envie de s'éclater chez lui, tout simplement, il a juste envie de s'éclater chez lui, il peut apprendre directement. Si c'est quelqu'un qui veut jouer en groupe, dès qu'il voit les morceaux avec nous, après tout de suite, il peut passer des compos et il peut jouer tout de suite en groupe. Ce qu'il faut, c'est travailler régulièrement, même si c'est un petit peu, même si c'est 5-10 minutes. Si c'est 5-10 minutes tous les jours ou tous les deux jours, ça suffit à progresser. Au début, je voulais pas me prendre la tête, je voulais vraiment apprendre la guitare comme ça. Je voulais pas passer par des étapes de solfège où il faut attendre je ne sais pas combien de temps avant de toucher l'instrument. Donc là, ça m'a vraiment plu lorsque j'ai vu ce qu'il proposait lors d'une porte ouverte. C'était la première fois que j'avais une guitare dans mes mains et donc ça m'a tout de suite intéressé. J'ai voulu en savoir plus et c'est ensuite que j'ai vraiment commencé à apprendre cet instrument et donc depuis maintenant quelques années. Il faut seulement s'y mettre, vraiment avoir le déclic pour ensuite vraiment bosser sur l'instrument tous les jours ou plusieurs fois par semaine. C'est ensuite comme ça qu'on apprend et puis après on essaie de voir les autres techniques pour essayer de se perfectionner davantage et puis en fait ouais c'est ça, c'est avec le temps en fait que ça s'apprend. Musique est née en 2011. On était tous partis sur Paris acheter du matériel pour nos instruments de musique avec tous mes musiciens, avec Jonathan, Valentin, Alan, Sébastien et enfin toute la bande. Et on a fini par un petit repas et lors de ce repas, j'ai lancé à table pourquoi on ne créerait pas une école de musique tous ensemble. Et c'est parti d'une boutade et trois mois après, les statuts de l'école de musique étaient créés et on a trouvé ce petit local où on est là aujourd'hui. Et voilà, l'aventure a commencé de cette façon-là. La méthode de Freedom Music est basée sur une méthode à l'américaine qui est une méthode qui va nous aider à travailler à l'aide de tablatures et de grilles d'accords, ce qui permet également à nos élèves, quand ils arrivent chez nous, de pouvoir jouer directement avec l'instrument. Et effectivement, cette méthode-là leur permet de pouvoir jouer. Ils peuvent arriver ici en nous disant « moi je veux jouer du rock, je veux jouer du classique, je veux jouer de la variété, enfin tout style de musique ». Il amène sa grille d'accords et on va l'aider, on va lui faire travailler cette grille-là. Et ça permet à l'élève également de pouvoir jouer les morceaux qu'il aime entendre et qu'il aimerait jouer, à vrai dire. Aujourd'hui, au niveau des élèves, on a des enfants qui ont donc de 8 à 11 ans, on a des ados également de 15 à 18 ans, on a des adultes entre 30, 40, 50. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on a également des gens qui sont en retraite et qui ont passé le pas et qui viennent faire, qui ont décidé de se mettre à la musique. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont présentes au sein de Freedom viennent vraiment de partout. Et c'est une très bonne chose. Et également aussi, je remercie la mairie de Ponsac-Maxence parce que depuis 2014, elle nous a octroyé des subventions. Ce qui nous permet à nous d'avoir une reconnaissance culturelle au sein de la ville de Pont-Saint-Maxence. Derrière ça, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, on envisage également un agrandissement pour pouvoir faire quelques salles de plus et puis d'autres projets, mais qui ne sont pas encore tout à fait aboutis, mais qui pourraient peut-être voir le jour, parce qu'on peut agrandir sur le côté.